Avec son café bistrot, sa salle de spectacle, sa galerie boutique et son studio d'enregistrement, la réputation de la vieille usine de Lance à Beaufils n'est plus à faire, tant auprès de la population locale que des touristes. Grâce à sa trentaine d'employés et autant de bénévoles, le centre culturel fait rayonner la région depuis 12 ans. Avec l'arrivée de la vieille usine, le village a pris toute une autre tournure. C'est beaucoup plus fréquenté, évidemment, que ce soit par les plaisanciers, les touristes, les gens, les locaux, les régionaux. Alors, c'est très fréquenté et ils ont la chance de déguster la bonne bière Pit Caribou qui, maintenant, a domicile ici à Lance à Beaufils. En fait, le dynamisme qui amène une organisation comme la nôtre, c'est qu'on ne se gêne pas non plus pour aller faire des choses qui ne sont pas payantes. Je vous donne un exemple, comme le matin de la mise à l'eau des casiers à Omar. Bon, on ouvre, on donne un déjeuner à tout le monde, avec l'aide encore là de commerçants qui nous aident à offrir un bon déjeuner aux gens. Et vous voyez, cette année, il y a eu quand même 300 personnes qui ont participé. Alors ça, c'est sûr, s'il n'y avait pas les bénévoles, s'il n'y avait pas les gens qui nous aident, on n'arriverait pas à faire des activités communautaires aussi élaborées, je dirais. Alors c'est extrêmement important qu'on puisse avoir nos travailleurs et nos bénévoles pour combler nos années financières. À la vieille usine, on vous offre des services à valeur ajoutée et c'est pour